Les spécialistes du TOF avec quelques thèmes de la soirée. D'abord, la victoire de Paula Royal dans la course principale de samedi dernier sur la montre de Derek David. On va également parler de Cédric Cévéon qui s'est imposé avec Robbie King mais qui écope également d'une lourde suspension pour sa montre sur Triad of Fortune. Brandon Lerena, le jeune cavalier sud-africain, auteur d'un doublé samedi avec Chinese Gold et Elite Class. Et les jockeys mauriciens, il en sera question également dans l'émission de ce soir. Restez avec nous. Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Heureux de vous retrouver pour le premier numéro de la saison. Et à mes côtés, Nitin Lekradj. Bonsoir, Nitin. Bonsoir, Aziz. Comme invité, Anouna, le journaliste hippique, Mavin Biton, sur ce plateau. Mavin, bonsoir. Bonsoir, Aziz. Bonsoir, Nitin. Bonsoir à tous. Alors, messieurs, d'abord, nous revenons sur cette course de Paula Royal. Et puis, retour sur le plateau, côté nous gagnons l'occasion d'isquitter l'eau sixième course. Départ de l'épreuve principale, Ryder Cup est bien parti avec Paula Royal, également François Bernardus, Casey's War, Liquid Motion, Ice Axe et Emerald Approach. Ryder Cup à l'avantage sur Paula Royal, en troisième position François Bernardus qui suit très bien dans la foulée du duo de tête, Casey's War, Liquid Motion et bien plus loin on retrouve Ice Axe et finalement que de peloton, Emerald Approach avec Ryder Cup qui a l'avantage toujours sur Paula Royal, François Bernardus suit très bien, retenu par Daryl Holland. Ensuite, on retrouve Casey's War, Liquid Motion, Ice Axe et Emerald Approach. Les chevaux, un peu plus de 600 mètres maintenant à courir pour Ryder Cup qui tient le bon bout. Ryder Cup donc à l'aise à l'avant. Paula Royal a couru dans sa foulée sur tout le parcours et lance une première offensive ici. François Bernardus, Liquid Motion. Puis on retrouve Casey's War, Emerald Approach et Ice Axe. Les chevaux entament le dernier virage avec Paula Royal qui prend l'initiative à dominer Ryder Cup. Derrière, il y a François Bernardus et Liquid Motion qu'il faudra suivre. Mais Paula Royal semble se détacher avec François Bernardus. Ryder Cup arrive à l'intérieur. Paula Royal va se détacher. François Bernardus tente de terminer fort, mais Paula Royal n'a pas de problème. Victoire devant François Bernardus. Paula Royal avec Derek David sur le dos pour le compte de l'écurie Gilbert Roussette qui finira en pote premier les courses principales de sa saison-là avec un léger handicap. Elle y fait assez facilement en Italie. Oui, avec la manière, il démontre une certaine classe. Tactiquement, l'écurie Gilbert Roussette, il jouait le coup à fond et cela a payé. Et bien dire qu'il au papier, son principal adversaire, c'était le cheval de l'année 2014, Ryder Cup, qui probablement partit à son meilleur niveau. Peut-être qu'il a un peu fitness par rapport à Paula Royal, mais cela ne diminue en rien les mérites de Paula Royal, qui quand même, le chrono ne ment pas. Il réalise une super prestation, il finit les courses en 1:22.66, à presque moins d'un demi-seconde du record de Greenkeeper. Paula Royal, Mervyn de côté, qui vous lecture de sa course là? Une victoire très très impressionnante, on trouvait que Derek David quand même très très confiant dans les capacités de ce cheval, il n'a pas peur pour mettre lui dans les basques de Ryder Cup, alors que Ryder Cup tu peux quand même imprimer un train assez soutenu à l'épreuve. D'ailleurs, le chrono est très révélateur, là on peut trouver Paula Royal, il est toujours né au vent à l'extérieur de Ryder Cup, d'ailleurs tout au long de la course, il pourrait cela. Moi, je pensais que les autres chevaux, pas galopent loin des autres meilleurs niveaux, mais c'était Paula Royal qui était peut-être nettement au-dessus du lot. Et aussi, l'année dernière, nous vous rappelle Paula Royal à sa première sortie. C'est un cheval qui galope très, très bien fraîche. Sur sa fraîcheur, il fait très, très bien. Liti domine Denis Brasco déjà pour 5 longueurs à sa première sortie l'année dernière. Liti galope en 1:23.80, si je me rappelle bien. La ligne galope pratiquement une seconde de moins que sa chrono-là. Donc, ça laisse présager que le cheval est encore mieux, encore meilleur cette année. Il sera définitivement une facteur pour les grandes courses cette année. Bien également faire ressortir que lors de la dernière confrontation, lors de la 39e journée, quand Ryder Cup a gagné avec Auril,
ça joue là, Djeroudi Simon pour le Royal, et il y suit en queue de peloton, et il y battu au sprint. Cette fois, l'entourage d'Écurie Rousset ne prend pas le risque. Probablement, je suis CL Fitness, je ne sais pas. David met pression dès le départ pour suivre à Ryder Cup de près, quitte à faire l'extérieur. Et nous trouvons David également une attaque assez tôt. Ryder Cup n'a pas le loisir en 2000 courses. Premier 400 mètres, il galope dans 25-58. Et une attaque à 600 mètres du but. Et Ryder Cup, type galope sur 20e les courses à Maurice samedi. Bon, par contre, beaucoup de cheval, qui ne pas trop beaucoup cheval depuis qu'il y a Ryder Cup galope Maurice qui pète qui monte à 400 mètres du but. Ryder Cup n'est pas capable de suivre Polo Royal. Je pense que ça est vraiment assez remarquable. Et s'il qui termine les courses aussi, il est vraiment très très impressionnant. Et ne vous pas oublier également qu'il peut-être l'année dernière, quand il a galopé en ce moment dernier les courses fin de saison, après sur les courses Coupe d'eau, quand il n'a pas démérité de l'œuvre, soit quand il a des courses difficiles, peut-être c'est valable qu'il est un peu fatigué. Et la première fois, Ryder Cup, tu peux ramener du poids. Et il bien vraiment impressionnant. D'ailleurs, David Insunisa, dans ce moment de déclaration après les courses, pour le Royal, il travaille vraiment très très bien l'entraînement et c'est pour ça qu'il est capable qu'il monte avec autant de confiance. Et bien, Motiko Zoli après la journée, dis-moi, il connaît Ryder Cup très bien, il a gagné les courses, ou même trois les courses même avec lui l'année dernière sous les couleurs de l'écurie Foucune. Il connaît, il n'a pas d'intérêt, laisse Ryder Cup faire sa guise dans les courses. Ça, c'est concernant Polar Royal Ryder Cup et également Derek David, le jockey de Polar Royal. Nous pouvons maintenant, monsieur le gros morceau de cette émission, le jockey Cédric Cégéon, qui finit bien des mots la saison avec une victoire sur Ruby King. Et puis, finalement, l'enquête concernant sur la montre, le Trade of Fortune, l'enquête mardi matin. Mais avant qu'il nous aborde le Trade of Fortune, nous cause sur cette victoire de Ruby King. Oui, Ruby King qui gagne de ce style habituel. Ce sixième victoire au champ de mars à Séval. Là. Un petit Séval qui est recommandé à l'écurie Patrick Mervin par Akasso Charaz qui gagne 2-3 les courses avec lui en Afrique du Sud. Et Ruby King est un peu malchanceux au départ parce qu'il subit une interférence qui est capable de coûter cher. Nous trouvons Réadmiral sorti couloir numéro 1, Ruby King sorti couloir numéro 3 et Réadmiral sorti des stalls un peu de travers. Et Ruby King pris en sandwich entre Forest Shelter et Carson City, du coup, il perdit sa position pour retourner en queue de peloton. L'avantage qu'il y a finalement dans sa course, c'est qu'il tient un petit fil sa course, hein. Seulement 7 chevaux. Et il n'est pas retrouvé et trop décroché. Il tient un bon rythme dans les courses avec Sarah Knight qui imprime le train. Et nous trouvons Cédric Cégéon à mort sur l'attaque à 600 mètres du but, à l'extérieur. Ruby King, c'est vraiment typiquement une longue accélération. Il passe à l'extérieur ici, de Forest Shelter. Réadmiral également une déboîtée à ce stade. Et nous retrouvons Cédric Cégéon qui peut donner deux bons coups de cravache à l'entrée de la ligne droite. Et Ruby King qui peut sortir un joli coup de rein pour Domine Réadmiral qui probablement utilise un sagalou. Ruby King. Là, nous get head on les courses, que nous trouvons le jockey CGO au sommet de son art. Il donne un cheval là au moins 8 coups de cravache dans la ligne droite. C'est un cheval qui peut solliciter quand même depuis 600 mètres du but. Et c'est Valine bien accéléré, qui vraiment très bien Ruby King et l'insigne pour la même occasion ce sixième victoire ici au Champ de Mars. Régulier Ruby King depuis qu'il a évolué au Champ de Mars. Et Mervin, un cheval qui tous les quiries, tu pars content, et là, un cheval comme Ruby King. Et d'ailleurs, c'est la seule tactique, la seule façon de monter Ruby King. L'ingé est tout seul les courses comme ça. Et là, peut-être. Quand je peux get, a priori, je peux get la cote, Réadmiral, tu parais être un gros morceau, mais il tient quand même 61,5 kg à il tient à 61,5 kg. C'était pas évident pour une première course cette saison. Ruby King,
Community Ninja, ils tiennent le champ, ils prennent tout ce loisir pour tuer l'attaque sans qu'il n'y ait même aucune interférence. Et ça a payé, Cédric Séguin, il monte vraiment très très bien en ligne droite finale et il gagne assez facilement en fin de compte. Et Zadia là aussi, qui est réadmiral, il n'est pas paraît vraiment à son meilleur niveau physique. Et peut-être dans la ligne droite, quand il allait nous trouver, il n'est pas d'une seule accélération habituelle. On a l'impression même qu'il n'est plus en ploie à un moment rire admiral du moment qu'il passe celui qui menait la course. Oui, souvent il fait ça dans le passé. Et comme on utilisait le TF Time vendredi dernier, souvent l'année dernière il gagne les courses faciles et côté pancake. Et paradoxalement, quand il gagne les courses bien difficiles à l'extérieur de nos découvreurs ou de la zone internationale, c'est là qu'il réalise peut-être sa meilleure performance ici au champ de Mars. Maintenant, nous intéressons-nous à la dernière course de samedi avec Edith Klaus qui gagne les courses là, mais c'est surtout Triad of Fortune qui intéresse-nous ce soir, qui fait, parce que finalement, l'enquête mardi grand matin concernant la monte du jockey Cédric Séguin sur Triad of Fortune, Nitin. Oui, le jockey Séguin qui finit sanctionné par les commissaires et les fins des coupes en lourde suspension de 6 semaines et une grosse amende de 150 000 roupies et pour n'avoir pas pris les mesures raisonnables pour, afin que son cheval obtienne les meilleures chances de remporter la course ou bien d'obtenir une meilleure place à l'arrivée. Et Trade for Fortune, qui, c'est un zen cheval qui type galope seulement ce deuxième les courses ici au Champ de Mars. C'est un cheval qui l'année dernière galopait les courses, qui est très joué ce premier sorti ici, mais il est très décevant, il termine à la traîne. Et après ça, les courses, ça, l'entourage il décide de castrer lui. Et l'entraîneur Patrick Mermet qui finit de dire au début de l'enquête hier qu'il peut attendre à des progrès de sa part, mais vu qu'il s'est valable, il travaille bien l'entraînement, mais vu qu'il s'est valable, il déjà travaille bien ce premier sorti et pas qu'il montre non rien en course, c'était comme si un point d'interrogation pour lui sa première les courses qui a galopé samedi dernier. Je propose de nous regarder les courses. C'est voilà une épée saute en travers à l'ouverture des boîtes. C'est un zen cheval qui manque encore d'expérience de trouver. Le jockey Séguin n'a pas de bousculer ici. Anokonamoun bien sauté à l'intérieur, celui de Elite Class. Et là, un moment, nous trouver le jockey Séguin qui prend les bas. Mais il est allé trouver que Roland Boutani puis insister sur l'extérieur avec Hector Tiger. Il ramène ce cheval tranquillement pour suivre dans le dos du coursier de l'écurie Maesh Ramzi dans 4e position. La Elite Class en tête, à l'extérieur Put Foot Singh, qui fait un effort assez conséquent pour prendre le lead dans sa course. Et l'étant Elite Class commence à ralentir le train devant, aux abords du tournoi Malartite. Le jockey Séguin dit que son principal danger dans les courses, c'est Elite Class qui est devant, il décide pour déboîter, pour essayer de rapprocher lui de Elite Class au bas de la descente. Là, nous trouvons le jockey mardi, puis continue à mettre pression au Put Foot Singh, qui, malgré ce débauche d'énergie, il réalise une super prestation. Nous trouvons le jockey Séguin, puis rapproche-lui ici à l'extérieur de Anokonamoun. Devant Put Foot Singh, il lance la course sur des bases élevées. Elite Class dans striking position en deuxième position. Triad of Fortune mis sous pression ici à 400 mètres de l'arrivée. L'Ipo commence à refaire terrain graduellement sur Elite Class. Et là, le jockey Séguin inflige des coups de cravache avec la main droite. Le trois cheval là hang out un peu, il sent sa cravache de main, il retape. Il donne le cheval là des coups de cravache. Et là, le cheval là enclenché dans les derniers mètres pour refaire du terrain sur le favori. Au fin d'assister l'enquête, Nitin, ça l'enquête là, dis-nous un peu comment ça a fini de dérouler. Oui, c'était une longue enquête que le jockey et Séguin ont fini défendre hors d'harmonie, bien soutenu par l'entraîneur Patrick Mervin. Le jockey Séguin dit qu'il tape ce cheval des coups de cravasse avec la main droite. Ce cheval il dérobé et il dit c'est un zen cheval, c'est ça qui lui montrait du respect
et les dans les tapes lits avec la main gauche, c'est là qui se va là vraiment mine enclencher quand nous voulons ça l'aurait donné un petit moment. On a trouvé une tourne dans la ligne droite. Le jockey CG, on dirait qu'il travaille à nos fortunes, encore une bébé. Là, il rentre dans la ligne droite. Et il tire cravache avec la main droite. Et le trouver ce val-là, il a tendance à limper vers l'extérieur. Ce qu'il faut aussi, sans ce cravache de main. Et là, il tape avec la main gauche. Ce val-là cherche l'appui, l'eau est dit close. Et là, c'est là qu'il réfère. Terrain low elite class. Il dit comme ça, c'est si il tape ces balles là plus vigoureusement, mon cheval là plus vigoureusement, vu que c'est un zen cheval, il pas si qui ces balles là qui capable inquiéter elite class de sa dépousse. Et nous voilà l'explication du Tiff Star avec vous dans quelques instants, mais juste le temps de demander à Mervyn. C'est qui l'y pensait de Triad of Fortune. Bon, c'est un coursier très jeune, fait gagner 3 ans. Et l'année dernière, déjà dans l'enquête, le jockey Cédric Segeon, il dit que l'on a battu pas plus de 15 longueurs. Déjà, il monte de la même façon. Mais après ça, il est dans l'intersaison, l'incastré. Je pensais qu'il s'est fait le plus grand bien. Et forcément, l'entourage du cheval Patatanzut à ceux qui lui disputent la victoire comme ça face à Elite Class qui quand même fait très très bonne impression l'année dernière. Mais le cheval, comment on dit, il profite de l'intersaison, il tient en très bonne condition physique, ce qui Patrick Mervyn et Cédric Segeon ont en très bonne forme. Et il fait une très bonne course, mais les explications de Cédric Segeon, c'était que le cheval était très très jeune. Quand à l'entrée de la ligne droite, quand Ligne Denis découte cravasse dans droite, il commence à verser à l'extérieur. Il me rebalance sur mon tueur et c'est dans les 50-25 derniers mètres que le cheval là, il gagne vraiment ce momentum. Et aussi Cédric Segeon, il me dit qu'il peut-être avec 10 mètres, 20 mètres de plus, il est capable de gagner les courses là. Donc, Nitin, explication Chief Stipe maintenant. Oui, le Chief Stipe demande le jockey Segeon pourquoi il ne sent son cravasse demain à l'entrée de la ligne droite. Parce que si vous regardez bien le film, son cravasse est déjà dans la main gauche, l'étant lui à bord le dernier virage. Et il sent son cravasse de la main gauche, il y avait ça dans la main droite. Et là, il tape ce val-là avec la main droite. Nous vous trouvons simplement, trouver là son cravasse déjà dans la main gauche. Et il pour son sacravage de main à l'entrée de la ligne droite ici. Il tape d'écoute en droite pour ensuite ramener sa cravache dans sa main gauche. Et quand il tape avec la main gauche, c'est là qu'il s'est là vraiment enclenché. Stéphane Dessalin il également demande le jockey Segeon est-ce qu'il peut monter sa cheval là avec ce vigueur habituel. Nous connaissons le jockey Segeon, il dit ok, bien. Vigoureux et le beau des commissaires qui comporte sur la montre le Trail of Fortune avec sur la montre le Ruby King. D'ailleurs, je ne passe ça des films là en split, donc je ne compare ça des head-on, ça des la ligne droite là pour comment nous trouver le Ruby King à l'extérieur. Le jockey et Segeon qui finit dire qui. Pour lui, pas capable qu'on passe à délire ça parce que Ruby King, c'est un cheval qui a une certaine expérience, qui a besoin de monter dans un style bien vigoureux, un cheval qui a 5 ans de course, alors qu'il travaille de fortune, il a seulement 2 fois en Afrique du Sud. Il a seulement ce deuxième sortie ici au champ de mort. C'est un cheval qui manque maturité et il n'est pas capable de taper pareil comme il tape Ruby King, monter avec même vigueur. Il dit si tu montes avec la même vigueur qu'il montre Ruby King, il n'est pas sûr qu'il se va là. Tu peux finir de l'arrivée. Et l'India également, qui lui a adapté la montre par rapport à ses valeurs qu'il est monté. Et sur une explication qui, bien sûr, pas fin de satisfaire les commissaires de course. Oui, le Chief Staff Stéphane Deschalins qui vient expliquer que si vous guettez sur la montre le Ruby King, l'India, le jockey Segeon, qui même qui nous trouvait qu'il y a un mouvement les bras. Sur les bras puis accompagner Trail de Fortune, ce mouvement sur l'écho le Ruby King et ce mouvement sur l'écho le Trail de Fortune, il est un peu différent.
Et il trouvait qu'il n'a pas montré même drive, même vigueur qu'il a montré ce momentum sur les cours, le Tide of Fortune et ce momentum sur les cours, la façon les cours, laquelle sur les cours il a poussé sur les cours devant avec, ensemble avec Solamé, différent le Ruby King. Et aussi, là, Patrick Mervet fait ressortir qui n'est pas qu'à comparer ça de l'écoute, ça vraiment, parce que Ruby King, dans les dernières 100 mètres, c'était Hands and Heels, alors que sur Triad of Fortune, il était avec la cravage, donc pas capable vraiment de comparer la vigueur avec laquelle c'est l'excision, tu peux monter ça des chevaux-là. Et aussi, vous avez dit, Stéphane Deschalin, tu bien fait Cédric Séjean comprend qui matter of concern dans sa course, ça c'était les derniers 100 mètres, ce vigueur dans les derniers 100 mètres. Et bien dire que le jockey Séjean finit inculpé sous le règlement 160A, donc l'in inculpé 6 semaines, l'in écope 6 semaines et 150 000 for not taking all reasonable and permissible measures. Dans les courses. Et là, le jockey Séjean, il demande est-ce qu'il, c'est sous ce règlement-là, qu'il est jockey Arena, Sazuayo, Burke, Captain's Bounty et de Sogé Magistrate qui finit sanctionné dans le passé. Le commissaire, il dit oui. Et le jockey Séjean, il dit qu'il, pour lui, il ne peut pas commettre une faute aussi grossière que ça m'a dit jockey qui m'a cité là. Et qu'il dit pas, pour lui, penser qu'il n'a pas mérite d'être sanctionné aussi lourdement qu'il s'amène jockey là. Et malgré ça, le commissaire il sanctionné assez sévèrement. Vous allez dire probablement parce que je pensais peut-être que ces valeurs-là, dans le cas de Trade of Fortune, ces valeurs-là tiennent un sens de gagner les courses d'après eux si le jockey CGO, si on dit avec plus de vigueur. Vous allez dire que le jockey CGO, c'est sous le choc, tout comme l'entraîneur Patrick Mervin après sa enquête-là. Et l'in décide pour faire appel. Parce que dans les cas de Sazuayo, si nous rappelle bien, la montre de l'Arena, Sazuayo termine à une longueur, deux longueurs de Ryder Cup ce jour-là. Et Captain's Bounty termine à une longueur. Par contre, Triad of Fortune, lui, il termine à seulement une courte tête. C'est peut-être la raison qui motive cette décision. Parce que si Elite Class termine 3e ou 4e ou whatsoever, et le tronc dans les courses, peut-être qu'ils sont capables de sanctionner pour slack riding ou lack of, avec lack of vigor dans la ligne droite. Et la sanction là, tu peux définitivement moins sévère. Mais là, l'effet que ces valeurs-là sautent second et à une encolure du gagnant, c'est ça la raison-là probablement qu'il va le commissaire qui ne sanctionne plus sévèrement sur not taking all reasonable and permissible measures. En tout cas, comme on finit d'aller, Cédric Séjean finit faire l'appel, nous pouvons faire d'autres analyses, d'autres commentaires là-dessus en attendant que l'appel passe pour Cédric Séjean. Nous change de sujet maintenant. Nous avons Brandon Lerena. Brandon Lerena, le jeune sud-africain de l'écurie Ricky Minga. C'est un jockey qui déjà monte à Maurice, notamment pour le compte d'écurie Perdron, côté l'Iparti Malfaire. Mais c'est un cavalier, Melvin, qui montre et nous, les fins franchies, un lutte palier dans ce courrier. C'est un jockey qui a aujourd'hui. Il est capable de dire beaucoup plus complet. Oui, c'est vrai. Déjà, quand il est venu pour le compte de l'écurie Pedro, tu trouves comme un cavalier qui tient une faute potentielle, mais quand même assez manque l'expérience. Mais là, moi-même, je suis appris comment guette l'Arena monté la première semaine. Il paraît bien progressé. Sur la montre, le Chinese Gold, pour moi, c'est la meilleure montre de la première journée. Quand vous guettez les courses Chinese Gold, nous sommes capables de trouver. Qui, au départ, l'Arena lui quand même lui sollicite ce cheval Antigate pour lui devant Prince of Wings dans les courses là. Prince of Wings qui a priori c'est ce principal adversaire, donc voilà, il est à l'extérieur de Prince of Wings, là il met lui devant, il assise tranquille dans le dos des meneurs. Il a un train assez rythmé dans les courses là. Oui, qui fait un train assez rythmé, c'est parce qu'il bat une bounce Freedom, lors la partie initiale, ce qui fait qu'il a assez vite. Là, un moment en 1200 ou 800, il trouvait Freedom presque prend la main avec lui. L'avance qu'il devait prendre, le Joey's Legacy et Mark Hillaby. Et à un moment, il même pour, s'il ramène ce cheval, même pour Get Paul Elier, parce qu'il trouvait une avance un peu trop conséquente. Et qu'on a trouvé ici.
Et c'est pour ça que ça a bon rythme qui tient dans sa course. Ça a une jouée en faveur Chinese Goal qui tient très bien, qui certainement il profite de l'intersaison. Et nous trouvons là à 450-500 mètres de l'arrivée, quand Prince of Wings vient à l'extérieur de Chinese Goal. Il attend les vignes sur l'extérieur. Il y a là les fausses CGO, faire quatrième et pêcheur. Ça fait lui perdre peut-être une longueur, deux longueurs. Et à la fin, c'est peut-être ça qui fait la différence. Parce que si Prince of Wings, tu prends le first run, il peut peut-être difficile pour Chinese Goal venir rattraper. Mais c'est tout à fait vrai que le jockey Brandon Lerena a beaucoup progressé au niveau de sa science tactique aussi. Et bien, il y a le très bon chrono réalisé par Chinese Goal, M21-9 pour les 1365 mètres de sa course. Chinese Gold, c'est un cheval qui paraît aussi fin bien acclimaté et à suivre pour cette saison 2015. Brandon Lerena qui est aussi en selle sur Solar Captain dans la quatrième course. Oui, la ligne coupe la manne 30 000 roupies pour KLS Riding pour avoir gêné Carson City peu après le départ. Vous trouvez les sorties du cinquième couloir Solar Captain, il prend un bon départ, plus rapide que Forest Shelter. Il est dans le sillage ici de Rear Admiral à l'extérieur et il peut essayer place lui devant Carson City. Nous trouvons Roland Papelisli fait à l'intérieur sur Carson City. Sarven Heights à l'extérieur ici de Solar Captain. Et peu après le passage du but, nous trouvons que l'Arena pour insister et il pour rabattre un peu brusquement devant Carson City. Et ça pour coûte lui donc 30 000 roupies et 2 points de mérite points. Vous allez dire qu'il est assez perturbé quand même, commissaire, fin sanctionné pour KLS Riding dans sa dépouse. Brandon Lerena et dans le cas de Cédric Cégéon aussi, le demerit point rentre en jeu et n'a l'appel, certes, mais... Oui, et 12 points demerit point après sa suspension sur le Trail of Fortune. Voilà, il est bon nous faire ressortir cela. Et pour en parlant de Brandon Lerena, de fin cause Solar Captain, mais dans la même course, Tiena, Derek David, le Rear Admiral. Oui, Rear Admiral qui, comme on a cité le film tout à l'heure, l'histoire d'un peu travers de ce premier couloir. Il gêne Ruby King qui perd sa position et pour sa faute là, le jockey David n'est qu'au 25 000 roubis d'avant. Trouver Carson City qui est sandwich. Ruby King, Forest Shelter à l'extérieur, Ruby King qui perd sa position. Le jockey David, même s'il gagne les courses au Polo Royal, il fait des trois tirés. Probablement, il monte un peu sous pression sur la première journée pour l'écurie Roussel. Lui aussi, ses deux points de mérite point. Oui, deux points. Maintenant, on a levé la dernière course et la victoire de Brandon Lerena avec Elite Class. Elite Class, ma vie d'un cheval qui fin début de ce courrier chez nous. En 2014, avec une victoire sous la montre de Jim Cassidy, la passe de 2 avec Brandon Lerena, qui ne croit pas battre d'après où de ce cheval. Déjà, nous rappelle l'année dernière, Elite Class sur ce premier course, c'était très impressionnant. Liti Galoup, né au vent pendant pratiquement toute la course, Livy gagné en 4e, 5e épaisseur dans la ligne droite finale, et avec autorité quand même. Et là, beaucoup pensaient sur papier qu'il avait déjà course gagnée avant même de l'avoir courir. Mais c'est peut-être grâce à la force du poignet de Brandon Lerena et aussi quand Elite Class met le nez à la fenêtre dans la ligne droite finale. Il donne l'impression de quand même vouloir s'arrêter, il n'est pas vraiment... emploie lui comme un bizarre et ça laisse c'est, d'ailleurs c'est gentil de dire ça, ce cheval capable de terminer bien, mais c'est peut-être le cheval devant qui faiblissait, qui donne l'impression que Triad of Fortune termine très fort. Mais Elite Class, c'est un cheval qui gagne 3 ans en fin de saison dernière et quand même un joli potentiel à entrevoir, nous bien suivi de très près. Nitin. Oui, si vous regardez le film là, dans la ligne droite, comme Mervyn disait, quand dans la ligne droite, il met le nez devant, Séval a tendance un peu distrait. C'est un Zen Séval avec bruit de la foule. C'est là où vous trouvez, il a tendance à jouer un peu avec ses oreilles. Moi, je pense certainement avec l'expérience, il peut progresser et il peut montrer lui encore plus compétitif.
nous reguette justement ça les courses là, Elite Class. Au départ, Suzuki nous a utilisé un peu pour déboard à Anaconda Moon. Nous trouvons ici Anaconda Moon sur lequel Akashu Charaz tient la cravache. Et Elite Class nous a fait un petit effort pour passer devant lui ici. Pour le footing, il fait encore plus gros efforts à l'extérieur. D'ailleurs, c'est en montée ouais. Que nous trouvons qu'il peut faire ces efforts là. Et là, il passe devant et ensuite il challenge pas pour le footing, il laisse pour le footing passer devant lui. Et là, Suzuki commence à monter graduellement à partir du 400 mètres. Et nous trouver quand les rondes arrivent droite, vous avez ce oreille et puis la tendance vient un peu avec ce oreille un peu distrait. Nous admire également le joli style de l'Irina sur le cheval dans la ligne droite finale. À nous get le head on. C'est un cheval qui a une certaine maniabilité, qui est encore un peu immature, mais qui certainement pour bénéficier de ça les courses, qui pour encore plus redoutable à l'avenir. Le doublé de Brandon Lerena et de l'écurie Ricky Manga, samedi dernier donc, avec Chinese Gold, et puis dans cette dernière course avec Elite Class. Nolkoz, le bon jockey apprenti mauricien. Et maintenant, parce que j'ai aussi fin de la partie samedi, le final du Zot, quelques victoires. Yashide Mamdi qui fait l'ouverture de cette saison avec Absalom pour le compte d'écurie Randy Apiato. Oui, Absalom qui a causé une agréable surprise dans la première course. Probablement, il profite de sa bon rythme qui tient sur la partie initiale. Winged Captain et Steel Avar Powell qui ont lutté pour le commandement. Et Absalom, il profite de sa bon train qui tient dans les courses pour faire la différence au finish. Je trouvais Steel Avar Powell au départ pas gagné toutes ses ailes puisque Winged Captain lui a mené la vue dure. Je trouvais Ocharaz qui sollicite vigoureusement Winged Captain pour déborder Commodore Pete à l'intérieur. Du coup, Steel Avar Powell vous a fait un effort assez conséquent pour prendre le commandement. Toujours en montée. Et ça étire le peloton. Absalom, pendant ce temps, tu peux suivre tranquillement à la corde en midfield. Là, Steel Avar Powell dirige les opérations. Et Absalom à 400 mètres du but. Là, on ne sait pas, Yashine Mamdi qui contourne le peloton à l'extérieur. Et Pouvin domine. Steel Avar Powell dans la ligne droite. Absalom qui vient en tendance vers à l'intérieur dans la ligne droite finale, mais qui est encore plein de gaz. Il réussit de win le favori Steel Avar Powell pour signer une très belle victoire. D'ailleurs, nous trouvons le rythme imprimé dans sa décoursine certainement favorise les finisseurs. Absalom qui vient de gagner Point of Policy 3e et Sazi Wayou qui rate complètement ce départ, mais qui vient faire 4e. Et Steel Avar Powell, c'est-à-dire qu'il paye de ce bon effort dans les 200-300 premiers mètres que Winged Captain fait du travail un petit peu quand même. Un mot également pour Yashine Mamdi, parce qu'à un moment donné, moral qui down du côté de Yashine Mamdi, il passe pas mal de moments difficiles, bonne chute entre autres, et commence la saison, l'ON note victorieuse, certainement ça peut donner un boost pour la suite. Non, certainement, pour monter en confiance et d'avoir déjà commencé la saison avec une victoire de la première course qui plus est, c'est bien. Et aussi, me trouver que c'est très bien qu'il banne l'écurie, peut donner une chance à banne jockey mauricien. Ça en est là, nous peut trouver l'écurie Péatob, l'écurie Ramesho Gazedon, même si Ocharaz vient de Sud-Afrique, et il y a aussi Jean-Noubert Dutier à Gajador, Durawan chez Pedro. Donc, c'est bien que Sabanjo, qui est la titulaire de Van l'écurie, ça montrait qu'il quand même nous est un banjoquet de qualité à Maurice, qui nous espérait capable de tenir une saison complète au sein d'une écurie.
Une cause rail du Rouen, lui aussi, lui gratifiait nous d'un joli Lamont, le bon et bon atout pour le compte de l'écurie Pedro Nitin. Oui, un superbe Lamont. Moi, pensez ça, pour moi, c'est rail d'OVD, bon et bon atout. De façon, rail, on cherche le passage dans la ligne droite finale. C'est valable sans sur les pieds dans les 150 mètres. Et là, qu'il livrait même, il sort de sa kick là. Pour une domine routine, c'est vraiment un très bel mot. Bonne et bonne atout qui sortit depuis 8e couloir pour regarder le challenge. Déjà là, nous trouvons bonne et bonne atout. Il y a un léger temps d'arrêt au départ. C'est comme dire, il sort bien, il est capable de trouver le stock wide sur l'extérieur de Eagle Award. Il n'est pas trop évident pour lui pour placer, mais suite à ça, il a une bonne position à l'arrière, il suit très bien. Et à un moment que tu manques principal adversaire, Torotino et Pont d'Avignon, il prend le first run et il trouve quelque peu, surtout Pont d'Avignon, il trouve quelque peu privé de passage, il nous a fait l'intérieur à l'entrée de la ligne droite finale. Bonne et bonne atout, il attend le moment propice, lui, Rajrawan, plutôt, il attend le moment propice. Et là, comme on dit, il peut dire licence, les pieds, c'est là que Rajrawan vraiment amène cheval là au but. Rajurawan qui montrait dit patient dans le dos de Torotino à Cachocharas qui décide pour aller. Pont d'Avignon vient de cesse passage au bord et Rai qui reste toujours dans le dos de Torotino ici. Oui, dans un premier temps, il peut rôder sa passage entre Cinchona et Torotino là, mais passage là, refermé, il bien prend l'option passe à l'extérieur sans débalance sur ses vals. Et c'est voilà, venu dans ce full momentum, il s'en dit pied, là, il sort sa kick là pour dominer Torotino sur lequel a tué Ocharas pas démérité non plus. Bon et bon atout devant donc Torotino, c'était la deuxième course. Et puis Niven Mahdé qui signale avec un cheval qu'il y connaît, c'est-à-dire le gris Ashanti Gold. Oui, nous sommes habitués et trouve Ashanti Gold excelle dans la course à l'avant, bien proche du pas. Là, malgré ce bon la ligne au départ, il va trouver un peu plus en retrait que prévu. Les titiers la deuxième ligne, finalement, quand nous avons les courses, nous trouvons en descente, à un moment, ils retrouvent les free wide. Mais ça n'a pas empêché d'accélérer dans la ligne droite. Et à ce sujet, je veux dire que nous trouvons lors de sa première journée, là, qui beaucoup se valent, qui gagnent l'extérieur et qui gagnent les courses. La piste est vraiment en très bon état. Pour revenir dans les courses, nous trouvons Captain McPie, sur lequel Ocharas tient la cravache au départ pour prendre le lead. Moi, personnellement, je suis surpris pour tout le lead. Tekon Maestro Salut dans la course à l'avant, dans la course à, mais le jockey Bonilla n'a pas vraiment insisté le Maestro Salut. Il décide pour suivre tranquillement en one-off. Et nous trouvons qu'Ashanti Gold, malgré ce deuxième lit, les retrouvait un peu en retrait en mid-field à ce stade de la course. Mais Mahdé n'a pas vraiment paniqué. Et pour revenir à ce point qui m'a dit, le Banseval qui fait à l'extérieur n'a pas vraiment affecté. Même Maestro Salut qui galope one-off le nez au vent dans les courses, un peu comme Apollo Royal dans les courses principales, ça n'a pas affecté vraiment parce que c'est val là, il finit à moins d'une demi-longueur de Ashanti Gold qui ici, on va nous trouver, il est dans une position assez délicate, il est presque free wide à l'extérieur de Seeking Angelo et de Living Wim Hof. Surtout que c'est un cheval qui il montrait ses meilleures aptitudes sur 1000 mètres. Et là, ouais. Sur 1400 mètres, il est venu né au vent, l'extérieur du meneur, pratiquement toute la course. Est venu, il manquait gagner les courses. Là, il contourne le peloton. Donc, pour une journée qui peut venir, surtout qui vient à False Rails, Banchu Fils, il n'est pas trop condamné à un cheval qui gagne mauvais la ligne. Nous trouvons ça donc un Apollo Royal, même Ruby King à 600 mètres, il va attaquer à l'extérieur et il gagne facilement. Revenons à Ashanti Gold, pour moi, c'est une victoire invraisemblable. Certainement, le jockey Niven Mahdé a contribué à la victoire d'Ashanti Gold, mais moi, je pense plus que toute autre chose, c'est le fighting spirit de ce coursier de Guram Michoa Gajador qui fait les gars avec ça. D'ailleurs, l'année dernière, nous rappelle un des courses que Mahdé même Timontli, c'était face à Abington, arrivé là, Abington dépasse les. Ouais, c'est une interférence qui ne subit pas Seeking Angelo, l'étant au troquet, prend le inside run ici.
Sirin Angelo n'a pas eu une convenience. Le joker Olen, il dit qu'il est bizarre en ordre parce qu'il captain Magpie également, tu peux dériver un peu vers l'intérieur. Mais le cheval malchanceux dans sa course, c'est incontestablement Living Weaver. Parce qu'il nous trouvait l'état le joker CGO poussant sa cravache demain. Il y a l'emmêlé avec Cheval Rennes, il perd 10 sur Rennes. Et sur au moins 4 foulées, il n'est pas capable d'assister ces vals-là avec toute sa vigueur. Et malgré cela, ces vals-là se terminent à seulement 0,35. Donc, sans l'incident-là, je pense que Living Weaver est capable de faire la différence. Et ça, c'est concernant le cavalier mauricien. Mention aussi pour Rakesh Bogirotti. Rakesh Bogirotti, et c'était avec Prince Alwatan. Oui, Mervyn a eu l'occasion de suivre l'entraînement tous les grands matins. Je veux dire que Prince Alwatan, tu peux travailler avec moi d'un avion. Ça va venir ici maintenant, mais seulement. C'est voilà, tu peux garder le pays international, l'Italien Larfier. Il n'est pas vraiment démontré grand chose de ce dernier sorti. Comment on peut accorder une première chance face à Lietuva, Yodamen? C'est ça les courses. Yodamen rate le départ, probablement un petit business à Galola également. Lietuva, une PSG sur le fer dans les courses. Et bien, il y a pas moins de 4 chevaux dans les courses. Il manque le départ. Comment vous trouvez dans un petit moment, il y a Destiniste qui est dans le premier couloir qui rate le départ. Il y a également Bongo Beat qui rate le départ dans le deuxième couloir. Dans le septième couloir, Yodamen et Prince Alwatan, le vainqueur, complètement à l'extérieur. Donc dans le neuvième couloir, 4 chevaux, le encore 10 chevaux qui sont engagés, qui manquent le départ dans sa course. Et Prince Alwatan qui suivent en arrière-garde comme à son habitude et qui profite de sa bon rythme qui est imprimé dans sa course. Et pourquoi, ou qui est un grand fan de l'écurie Serge Henry, Mervyn, pourquoi c'est un cheval qui galope bien fraîche, pourquoi il gagne des courses quelques temps, tu sais, avec la judge dans la première journée même. Oui, c'est vrai, avec la judge. Mais déjà, chaque fois que Prince Alwatan galope, il trouvait que c'est la meilleure façon de le monter, rester en arrière-garde et attendre la ligne droite finale pour le lancer à fond. C'est ce que Rakesh Bogirotti fait. Je pense qu'il vient de l'instruction de l'entraîneur aussi. Et là aussi, Prince Alwatan, il montrait un lot très de cheval de qualité. Avant, il paraît un cheval qui utilisait un van side run tout le temps pour les gagner. Il utilisait l'appui avec les bords. D'ailleurs, là, nous trouvons à quel point il vient de l'extérieur, il versait pour les ouais. Gagner. Mais c'est certainement plein de potentiel, ce coursier-là. Et je félicite également l'entraîneur Cyril Narang pour sa victoire. Vous avez la plupart des chevaux qui viennent présenter samedi, c'est vraiment dans une très bonne forme. Officiellement, pour cette écurie, c'est la deuxième victoire pour Cherish Narang. Et puis, il y en a l'écurie, le Sonon, il y en a Trajanus avec Dinesh Souffol. Et maintenant, Prince Alwatan. Nous passons à présent à repérer sur la journée de samedi. Mervyn, on commence avec vous. Oui, pour moi, c'est peut-être un coursier qui termine à 8 longueurs du vainqueur. C'est Fiacat. Je vous rappelle, l'année dernière, il fait très bien dans le championnat des 3 ans, 5e à 4 longueurs de Captain Magpie. Et là, bien malgré lui, nous trouvons que il prend des ports. Voilà, nous trouvons Destiny Steel qui rate des ports. Peut-être que c'était Destiny Steel qui allait partir à l'avant. Là, bien malgré lui, Fiacat retrouve lui à l'avant dans sa course. Là, l'année dernière, nous trouvons Fiacat après sur les courses contre Captain Magpie. Litivin termine second face à Tornado Man. Et suite à sa course, dans sa course, même, on bien pensé, Litigay ban problème. Lingaloupé après 9 mois pratiquement, Lingaloupé, ça vous servit d'une très bonne mise en jambe. C'est un cheval à fort potentiel. Et si ses pépins font effectivement partie du passé, l'IPO un facteur à prendre en considération dans le futur. D'ailleurs, nous pouvons être dans la ligne droite finale à 50 mètres du but. Il est toujours le même la ligne qui Lietuva et Yodamen. Et dans les derniers 50 mètres, ce jockey arrête Montli pratiquement. Donc pour moi, ça reste un cheval à surveiller s'il retrouve 100% de ses capacités. Nitin? Moi, je pense que c'est vrai qu'il nous a besoin de suivre ces Lietuva. Fiacat également, moi d'accord avec Mervyn, réalise une bonne performance pour une rentrée malgré le fait qu'il ait fini à 8 longueurs. Lietuva qui travaille très bien à l'entraînement et qui
même si c'était son premier sorti ici au Champ de Mars, une panne déméritée du tout. Vous avez dit qu'il s'est valé retourner et sans de faire à l'écurie. Et l'ingénie au départ, nous trouvait des prix en sandwich entre Cool Style et Fiat 4 ici, et ce jockey visa ramène-le. Stenzen Seval qui galope seulement cette occasion en Afrique du Sud pour la suite l'incastrer. Et il démontre un gros potentiel à l'heure des galopes. Mais sur le premier des courses qu'il a galopé ici, nous sommes capables d'attendre à ce qu'il est très utile à l'écurie Gilbert Rousset cette année. Nous trouvons par la suite l'in content suivi en midfield dans le dos de Archangel Michael. Mais au bas de la descente, il est un peu green, il même jump crossing à un moment. Et le jockey David, il lance un peu tôt à mon goût. Bon, nous trouvons qu'il contourne le peloton ici en épaisseur. C'est un Zen Seval qui a beaucoup d'expérience. Et la façon qu'il peut improve, il paraît très facile ouais, dans son le argument, jockey David, hein. Le jockey David, il dit dans l'enquête qu'il a, il fait penser qu'il peut gagner les courses là. Mais de façon inexplicable, le cheval étant limite la tête devant, le jockey David dit le cheval il a arrêté soudainement et il pensait que Sévalin gagne problème. Mais par la suite, qu'il nous apprend que Sévalin perdit de fer. Et c'est probablement c'est ça qui cause. Façon qu'il est arrêté dans la ligne droite finale. Pour un chauffiste, les bons qui nous disent, perdit des faits en course, c'est un peu, comment dire, ou bien le galopé, puis il voilà. Et lié tout va à FIA 4, une mention également pour Cinchona. Oui, Cinchona qui panne des mérités, loin de parcours, un peu court pour ce bon aptitude, probablement qui bisait sa galop les courses, à 1500 mètres. C'est un Zen Seval. L'année dernière, il a galopé une jolie les courses derrière deux Fabulax sur 18 sur 50 mètres. Il paraît qu'il a bien profité de l'intersaison. Et là, dans sa deuxième course, il galope point 9 tout le long de la course. Et il manque d'accélération dans la ligne droite. Nous trouvons qu'il est sorti du quatrième couloir. Ce jockey qui sollicite lui au départ. C'est un Seval qui compte en suivre Handy. Il y en a les 23 sur l'intérieur. Wanderley sur l'extérieur. Monsieur Nando qui a insisté pour prendre le commandement avec Michel Tia qui malheureusement par la suite. Monsieur Nando qui finit saigner à l'issue de ça les Roussa. Et Daryl Olen par la suite, il suit tranquillement dans le sillage des meneurs en 1-9. Nous trouvons là ces balles-là encore en main. Dans le dos de Eagle Award. Sollicité graduellement par le jockey Hollande. Il y a sur l'attaque ici à l'extérieur. Il a tendance à hanging un peu. Et nous trouvons à 150 mètres du but, il est sur la même ligne que Pont d'Avignon, Torotino. Mais dans les derniers mètres, il manque sa kick là. Probablement, c'est un parcours plus long. Bon, pas connu Spinerman, les courses pour lui. Très bientôt, mais loin de, à partir de 1850 mètres, nous vous suivre ça, c'est valable de très très peu. C'est un Zen Seval qui quand même aidé les courses au-delà de 1900 mètres en Afrique du Sud. Un coup d'œil sur la course principale qui peut être à nous samedi, la Gaëtan Alvax Cup qui vous a loupé le 1400 mètres. Les entrées pour cette course Mining Prospect, Roman Mana qui désormais forme partie de l'écurie Charles Schramdin, Kalinago. Krugerrand, Recall to Life, Rock of Arts, Hallowed, Guy Dye, Baconflay sont entrés dans cette course, Nitin. Oui, je pense pas qu'on a beaucoup de Seval, qu'on a forcé 6-7 Seval dans les courses. Il y en a un Seval qui est très bien fait l'année dernière, comme Roman Manner, comme Kalinago qui a une bonne révélation l'année dernière, qui remporte pas moins de 4 courses, ainsi que Krugerrand qui remporte, nous rappelle, 4 victoires d'affilée au cours de la saison l'année dernière. C'est Man Seval qui nous a suivi, ainsi que Recall to Life qui est dans une très belle forme actuellement. Krugerrand qui fait un bien travail mardi aux côtés de Winter Sky qui est dans une très, très belle forme actuellement. Le Perret trouve justement Krugerrand ici au travail. Oui, à l'intérieur, nous avons Winter Sky, Krugerrand avec la casaque bleue, c'est Cédric Segeon qui le Krugerrand est complètement à l'extérieur, c'était Nordic Warrior de l'écurie Vero. Krugerrand, Recall to Life également vous présenter dans une condition appréciable. Oui, très bonne condition. C'est un Man Seval plus fit que l'écurie Rousset actuellement. Mavin
Déjà, nous trouvons Kougaran, là, il paraît quand même très bien physiquement. C'est un coursier qui a 4-5 victoires l'année dernière. Moi, je me rappelle ce victoire avec 62 kilos sur le dos que tu fais un loss to first. C'était très, très impressionnant. Pour la suite, il était aligné sur 1600 mètres. Peut-être qu'il n'a pas apprécié l'allongement du parcours. Si nous rappelons bien, Kruger Run, c'est un coursier qui est venu au même temps que Liquid Motion, les premières courses de Tigaloup ensemble. Peut-être Kruger Run, lui, c'est l'année dernière qu'il a montré son vrai potentiel. Et là, l'IP commence sa saison 2015 sur 1400 mètres, qui pour moi, sa meilleure distance dans l'entraînement. Comment nous trouver, il fait très bien à l'extérieur de Winter Sky. Pour moi, c'est s'il court, ce sera la première chance de la course. Sinon, nous avons Roman Manner. Roman Manner qui il dévoile un gros potentiel à ses débuts l'année dernière, mais après, qui paraît stagner un peu. Bien cheval qui paraît assez immature. Et ça, l'année là, vous pensez que l'intersaison, une bise inférieure du bien, il reste à suivre aussi. Et comme Nitin India, Recall to Life, qui en très très bonne condition physique cette année. Cette année-ci, l'un des chevaux les plus fit de l'écurie Gilbert Roussette, il sera à suivre. Et l'écurie Mervec, qui met trois chevaux dans les entrées, il n'est capable d'aller seulement deux. Vous pensez que ce sera Guida et Kruger Run. Guida, capable, le seul cheval a priori avec Mining Prospect qui est capable de vendre ça les courses là. Donc nous capable expect une lutte entre Kruger Run, Recall to Life et Roman Manor. Merci Movin de vos présences sur ce plateau, merci également à Nitin ainsi qu'à toute l'équipe. Mesdames, messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne soirée à tous.